Bonjour à tous, c'est Jean-Luc sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Donecle qui s'allie avec AkzoNobel pour la maintenance prédictive de la peinture des avions. Le spécialiste de l'inspection automatisée par drone des avions vient de boucler un financement de 5,6 millions d'euros. Une partie des fonds est apportée par le groupe chimique néerlandais qui proposera aux compagnies aériennes un service de maintenance prédictive de la peinture par drone. Le drone d'inspection Iris GVI fonctionne automatiquement sans pilote pour repérer les photos avec précision afin de les comparer. Pionnier de l'inspection automatisée des avions par drone, Donecle vient de réunir 5,6 millions d'euros pour s'agrandir et élargir les cas d'utilisation de sa solution technologique. Près des trois quarts du financement sont apportés en fonds propres par le fabricant des peintures AkzoNobel et un client aéronautique américain non dévoilé. Le solde est un prêt de BPI France. Le groupe chimique néerlandais devient partenaire de la société toulousaine pour créer un nouveau service de maintenance prédictive des défauts de peinture des avions avec des drones. Il proposera aux compagnies aériennes de faire uniquement des retouches locales en cas de fissure au lieu de repeindre la totalité de l'appareil. Avec l'amélioration des peintures, on pourrait ainsi repeindre entièrement un avion deux fois dans sa vie au lieu de trois, affirme Mathieu Klebrouck, président et cofondateur de Donecle. Cette entreprise, créée en 2015, a conçu un logiciel de détection des défauts de la surface des avions et fabrique des drones équipés d'une caméra et d'un laser. Le drone Iris GVI fonctionne automatiquement sans pilote pour repérer les photos avec précision afin de les comparer. L'intelligence artificielle appliquée à la base de données rend l'algorithme plus précis. Ce système est qualifié pour inspecter les impacts de foudre sur les avions d'Airbus et par l'armée. Il peut aussi être utilisé pour des inspections sans incidence sur la sécurité, comme le suivi de la peinture ou lors du changement de propriétaire de l'avion. L'entreprise vend ou loue les kits de drones avec le logiciel à une dizaine de clients, des compagnies aériennes comme Air France, des loueurs et des centres de maintenance, ainsi qu'aux armées françaises et britanniques. Elle a remporté en juin un contrat pour 11 kits d'inspection des Rafales. Donecle prévoit de doubler son chiffre d'affaires en 2023 à près de 2 millions d'euros grâce au contrat militaire et à la reprise du transport aérien, puis vise 10 millions d'euros en 2026. Les fonds levés lui permettront d'augmenter sa capacité de production, logée à l'IoT Valley, à Labège, en Haute-Garonne. L'entreprise déménagera en décembre dans un bâtiment de 1600 m² à Toulouse-Montauban, qui comprendra une volière de drones avec une soufflerie pour les tests. Elle investit 2 millions dans l'achat et la rénovation du bâtiment pour pouvoir produire jusqu'à 10 drones par mois. Après avoir recruté 15 personnes depuis janvier, son effectif atteint 37 salariés. Début 2024, la société ouvrira une filiale à Chicago pour se rapprocher de Boeing, des compagnies américaines et de son nouvel investisseur. L'argent levé lui permettra également d'effectuer les programmes de qualification de son système auprès d'Airbus, Boeing et Embraer pour les inspections générales réglementaires des avions pour la sécurité, un marché clé. Donecle cherchera aussi à être qualifié auprès de Boeing et d'Embraer pour l'inspection des impacts de foudre. En cas de suspicion d'un impact de foudre, d'oiseau ou de grêle, un drone permet d'inspecter l'avion en 2 heures au lieu de 8 heures en visuel avec un homme, souligne Mathieu Klebrouck. Or, chaque heure d'immobilisation imprévue d'un avion coûte 10 000 euros à la compagnie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.